Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue à notre nouvel épisode sur MotoGP. On est toujours sur ta première saison en Moto 3. La dernière fois, on a augmenté de difficulté et on a eu du mal. Hein. Je crois qu'on a fait P6. Seulement, on va aller voir tout de suite. Non, P7. Voilà, on sortait quand même de pas mal de bons résultats. On avait fait deuxième au Mans, Mugello, on avait fait premier aussi en Catalogne, deuxième à Sachsenring. Premier à Assen et au Grand Prix de Finlande, on a fait du coup 7e. On va continuer du coup vers la semaine prochaine. Voilà, on va continuer tranquillement à passer les semaines et on va se retrouver au Grand Prix d'Autriche à Red Bull Ring. Voilà, on ne va pas changer de difficulté parce qu'on a eu quand même un petit peu de mal la dernière fois. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie. On a un nouveau développement de pièces en branchement niveau 1, donc ça c'est cool. On va pouvoir améliorer, on va développer, hein. On va continuer à développer ça. Allez, c'est parti, on développe, hein. On va développer. Ah, ajout du personnel. On va faire ça, on va faire ça et ça, comme ça. Voilà, ça sera dans 4 semaines. Ah, réflexion intense. Moteur 3 semaines. Moteur 3 semaines, ça m'embête un peu. Alors, ajout du personnel. Voilà, tac, on va faire ça. Ouais, mais si... Ouais, on va faire comme ça. Hein. On va faire comme ça, on l'aura dans 2 semaines, comme ça. C'est pas trop mal. On va aller voir le calendrier. Voilà, dans 2 semaines au Grand Prix de Silverstone en Angleterre, on aura l'embranchement 1 dans la zone moteur. Donc ça, c'est cool. Et fin de la fenêtre du marché des pilotes. Ah oui, ok. Est-ce qu'on est dans le marché des pilotes là, en ce moment? Eh ouais, peut-être, hein. Peut-être qu'on est dans le marché des pilotes. Alors, est-ce qu'on va voir proposition... Aucune proposition de contrat n'a été reçue. Bon, ok. Allez, on va continuer et on va aller accéder du coup au Grand Prix of Styria en Autriche. C'est parti, les essais libres, les qualifications. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Ça fait assez longtemps que j'ai pas joué. Donc, je pense que je vais avoir un petit peu de mal. On va voir ce que ça donne, mais ça, à mon avis, ça va pas être évident. Alors, le Grand Prix d'Autriche, je le connais pas du tout. Ah, il pleut. Oh non. Et ouais, il pleut. Ah là là, c'est dommage. Départ lancé, c'est parti. Ah, j'aime pas la pluie qui arrive vraiment assez souvent, j'ai l'impression, dans le jeu. Ah, ça glisse déjà, hein. Ça glisse déjà dans le pilotage auto là. Allez, c'est parti. On connaît pas du tout le circuit encore. Ouh là là, j'arrive trop vite. Allez, c'est parti. On va essayer de faire découvrir le circuit déjà. Ça va être compliqué, hein, sous la pluie. On sait qu'on n'aime pas la pluie, nous, hein. Allez, premier freinage. Alors on est large, on est très très large. Allez, hein. Circuit assez petit, hein. J'ai l'impression que le circuit est très très petit. Très peu de virages. Hop, la vitesse de pointe, c'est fait. On arrive à un virage. Alors s'il y a beaucoup de... Hop là, on... Ah, c'est des virages secs, hein. Va falloir les gérer. Hop, angle droit. Et ça accélère. Nouveau ligne droite. Il faudra peut-être avoir de la vitesse max, hein. Ouh là là, compliqué ce... Ouais, j'étais complètement sur les vibreurs là. Ça ne va pas.
Ah, je suis très très large pour ce virage. Mais ouais, après on peut accélérer. On peut accélérer assez tôt dans ce virage, c'était pas trop mal. Un petit peu trop large, mais voilà, je freine beaucoup trop. Longue courbe. Et là, ça accélère. Et on arrive déjà à la fin. Hein. Allez, dernier virage. Très très peu de virages. Hein, donc ça, c'est peut-être bon pour nous, ça. Hein. Pour l'instant, je vois pas trop ce qu'on peut faire sur la moto, mais je pense qu'on peut vraiment améliorer. Ah, le tour parfait en plus. On est premier. Ah, je pense que c'est vraiment un grand prix pour nous. Hein. Ça sera vraiment un grand prix pour nous. Ah, je sors large, hein. Je sors large, mais bon. Allez, on va essayer de faire un tour propre. C'est ce petit virage là qui me, pour l'instant, qui m'embête vraiment. Ouais, quoique, là, il est bien passé. Il est bien passé là, même si je pense que je perds un petit peu de temps. Ouais, il faut vraiment que j'améliore la vitesse max parce qu'il y a quand même pas mal de lignes droites. Le virage là, on la prend trop large. On l'a pris trop large là. On l'a pris beaucoup trop large. Il tourne quand même. Je pensais pas qu'il tournait autant. Il faut vraiment qu'on freine. Ah, on est trop large, mais c'est ouais, c'est pas grave. Et après, on peut accélérer assez tôt quand même. Là, on a des courbes qu'on peut passer quand même assez à fond. Là, je suis quand même très loin, mais celui-là, si on le passe un peu mieux, on peut le passer très vite. Ça, c'est un petit virage, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de freiner, on lâche l'accélérateur et on accélère à la sortie du virage. Malheureusement, je suis encore un peu large, mais devant, ils ont pris quand même pas mal d'avance. Je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de bien sur ce circuit. Hein. Celui-là, on peut accélérer aussi un peu plus vite. Et celui-là, si on le prend, celui-là, si on le prend large, je sais pas. Ouais. Celui-là, si on prend un large, c'est pas bien grave. Allez, ben on va retourner. Franchement, on va retourner au stand. Et on se retrouve aux qualifications. Ah là, j'ai frappé fort. J'ai frappé très fort à hein, moins de 1,46 le meilleur tour. Et je pense que voilà, ouais, j'ai passé directement en Q2. Darry Binder hein, qui troisième aussi, Nicolò Antonelli qui sont présents aussi. Mais là, franchement, le circuit est franchement pour nous. On va passer tout de suite en Q2. J'ai fait le tour parfait. Franchement, j'ai fait le tour parfait. C'est encore humide. C'est encore humide, donc c'est bien pour nous. Tac, on va rejoindre le circuit tout de suite. Un petit départ lancé. Et puis, bon, les pneus sont déjà usés, mais c'est pas bien grave. Et on va essayer de faire quelque chose. Il pleut plus. Il pleut plus, mais le revêtement est mouillé. Allez, on va essayer de faire la même chose. Hein. 1,45, moins de 1,46, c'est quand même assez énorme. Allez, là, j'ai plus l'aide, donc c'est pas la même sans l'aide au virage. Allez, hein, on est parti. Il va falloir bien gérer ce premier tour de qualification. Avec des gros freinages. Hein. Pas beaucoup de virages, mais à chaque fois des gros virages. Allez, hein, ça c'est pas trop mal. Et des lignes droites qui sont favorables pour nous quand même. On a du Pasquier juste devant nous. On va pouvoir un petit prendre l'aspiration et le doubler. Voilà, ça c'est fait. Allez, il faut qu'on freine assez. Ah, ça a changé depuis. C'est plus trop mouillé là. Du coup, ça a quand même pas mal changé. Les freinages sont quand même beaucoup plus simples. On perd moins de temps à freiner. On freine de moins loin. Et je me suis fait un petit peu piéger dans ce deuxième virage.
Alors surtout c'est ce virage-là que j'arrivais pas du tout à maîtriser aux essais. Et là forcément vu que c'est moins mouillé, c'est pas du tout les mêmes repères. Hein. Voilà, je suis trop loin. Je suis trop loin. Ah, celui-là, il passe pas trop mal. Je suis un peu large, mais bon. Ah, je suis trop large sur ces virages, alors qu'avant, je les passais bien. Allez, on arrive sur les deux derniers virages. Ah, je suis soft, hein. Je prends pas de risque. Forcément, ce sera pas le meilleur temps à mon avis. Ah, si pour l'instant, le meilleur temps à une 47, hein, je suis très très loin de mon record. Hein. Je suis très très loin de mon record. À moins de 1,46. Ah, là encore, je pourrais prendre un petit peu plus de risques. Mais pour l'instant, c'est pas super. Hein. Allez, on sait qu'on peut prendre encore une seconde, au moins une seconde. Voilà, je prends. Ah, je sais pas trop quoi faire, hein. Je sais pas trop quoi faire. On va prendre large, on va prendre très très large. Beaucoup trop large là. Allez, hein. Ah, j'arrive trop vite. J'arrive beaucoup trop vite là. Ah, j'arrive trop vite. Allez, on va rentrer au stand là parce que. Allez, je retourne au stand. J'ai changé de pneu parce que pour l'instant ça va pas du tout. Allez, on change de pneu. Paf, paf. Et on repart tout de suite sur un départ lancé. Et là, il va falloir améliorer. Hein. Et pour l'instant, on est toujours premier. Hein. On est toujours premier. Mais il n'y a pas les gros gros favoris qui sont partis. Donc du coup, attention, méfiance. Allez, c'est parti. Allez, ça va déjà quand même beaucoup mieux avec des nouveaux pneus. Allez, c'est parti. Concentration. C'est de faire un tour propre. Prendre pleine puissance là. Ah, je suis large, je suis trop large. Ah, c'est dommage. Allez. Hein. Ah, pour l'instant, j'améliore pas hein. Forcément. Hein, les deux premiers virages sont pas super. Allez, je vais peut-être avoir un spi de devant là. Ah, ce virage que j'ai du mal à maîtriser. Allez, c'est pas super, mais pourquoi pas? Les deux derniers virages. Allez, 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 allez.
Ah, c'est bon. Une 46.018, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. On peut encore améliorer. On peut encore améliorer parce que là, c'était vraiment sur terrain humide qu'on avait fait ça. Allez, on sort un peu large, mais c'est pas bien grave. On perd pas trop de temps. Ah, je pense qu'on peut faire largement mieux là. Allez, concentration. Oh non! Ah, je mords, mais légèrement. Ah, puis là, je prends large. Je prends vraiment trop large, là. Ah, ça va être compliqué. Ah, c'est dommage, j'avais mordu, mais vraiment très peu, là. Ah, et c'est vraiment ce virage-là que j'arrive pas à maîtriser, là. Depuis le départ, il me pose problème. Là, je suis vraiment trop large. Ah, ça fera pas de record, ça va pas faire le record là. Allez, pourquoi pas, mais là on est moins bien que tout à l'heure. Voilà, on est. Voilà là là. Ah, c'est. Ouais, c'est compliqué. Une 46.018 pour l'instant. Oh là là. Un 42, 43, 44, 45, ça sera pas record. Ah si, record? Oh là, je peux encore améliorer, hein. Ah, je sais pas si je vais pouvoir terminer le tour là. Non, non, je peux pas améliorer le tour. Retour. Ah, je peux faire un dernier tour. Allez. Je peux faire le dernier tour. Ouais, quoique, allez, non, ça suffit, on va passer tout de suite à la course. Je pense que, ouais, avec 2 secondes 3 là, c'est vraiment un circuit fait pour nous. Et on va passer en pole position. On part en pole position, alors c'est assez marrant, on était à P7 la dernière fois, là, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas joué. Mais là, sur le Red Bull Ring en Autriche, on est vraiment costaud. On va partir du coup en première position. Et non, encore les qualifications. Ok. Ah, on n'était pas passé en Q1 alors. Ah, c'est marrant. Bah, c'est parti, hein. On n'était pas passé directement en Q2. Et ouais, là, ça. Ah oui, ok, bon. Grosse différence. Bon, bah, c'est parti pour la Q2 alors. Hein. J'avais pas fait gaffe. Peut-être qu'aux essais numéro 2, ils avaient pas de pluie, du coup, ils ont été plus rapides. Et pour l'instant, une 47, on bat le record de Binder. Hein. C'est Binder qui a le meilleur temps. Allez, c'est parti. Allez, c'est de faire un tour propre là. Allez, hein. Premier virage, on freine bien, on essaie de passer. Ah, j'ai trop attendu. J'ai trop attendu. C'est dommage. Allez, Suzuki, là, laisse-moi passer. Suzuki, laisse-moi passer. Très bien. Allez, trop bien. Il me laisse vraiment passer au bon endroit. Voilà, je prends trop de vitesse. Je suis pas bien, je suis pas bien. Ah, et puis il me gêne. Allez, je le laisse passer. Je vais prendre aspiration, c'est pas grave. Allez, on va repasser devant. Eh, hey, pas
pas trop mal passé pour une fois ce virage. C'est pas mal aussi ça. Pourquoi pas? Allez, les deux derniers virages. Oh non! Ah, c'est dommage. Ouais, je suis déjà à 42, 43, 44, 45, 46. Ouais, je prends le meilleur temps, mais je peux mieux faire. Je peux largement mieux faire là. Allez, c'est un peu mieux déjà là, ce passage. Allez, ouf. Ah, ça c'est beau ça. C'est très beau même, hein. Allez, encore un gros virage, le virage qu'on n'aime pas. Ah, j'arrive trop vite. Non, j'arrive. Ah, j'ai oublié de tourner. J'ai oublié de tourner. On perd du temps là, on a perdu du temps là-dessus. Ah, c'est dommage. Allez, hein, les deux derniers virages, on n'est pas trop mal pour l'instant. Ça c'est fait. Allez, 43, 44, 45. Une 46, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Et là on aura plus assez d'essence. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là tranquillement. On va voir ce que ça donne au niveau de la séance en direct. Pour l'instant, on a une 4 d'avance. Ouais, ça va suffire. Ça va suffire, je pense. Romano Fenati qui est deuxième. Darbinder qui est troisième, pas très loin. Et ça va suffire. On sera en pole. Ça y est, c'est officiel. On est en pole sur ce GP d'Autriche. Ah, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas pour la course? Rejoindre le circuit. On va se mettre en... Ouais, on va se mettre en M et en M. On va se mettre en M et en M. Ça suffira, je pense. Allez, le départ. La pole position. Devant Nicolo Antonelli. Romano Fenati qui est troisième. Darbinder quatrième. Allez, hein. Allez, concentration, c'est sec. Ça sera sec aujourd'hui. Ouais, forcément, au démarrage, à chaque fois, on se fait avoir. Hein. On se fait avoir au démarrage. Premier virage, attention, ce premier virage. On va sortir large, hein. On va sortir large, mais on va se prendre une track limite, mais ce sera le premier. Ah, et puis, du coup, c'est pas du tout la même aujourd'hui. Hein. On reprend la première place, la P1. C'est sec, le circuit va être complètement différent. On va pouvoir freiner peut-être beaucoup plus tard, quoique. On va sortir très très large encore une fois. Allez, hein. Concentration. On part sur 6 tours. 6 tours aujourd'hui. Allez, hein. De toute façon, en ligne droite, on sait qu'on est meilleur que les autres. Allez, pour l'instant c'est pas si mal, hein. On gère bien.
Ah ouais, c'est pas du tout le même circuit. Attention à ça. Les réglages qu'on a fait sous la pluie, hein. C'est pas du tout les mêmes sur le sec. Bon, pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Ah, c'est vraiment un circuit fait pour nous, hein. Franchement, là, circuit facile pour nous. Ouais, pour l'instant, on a fait un petit gap là sur l'italien. On gère encore 5 tours. Pas falloir faire de craquage. Faut bien falloir choisir ses. Ah, ça c'est beau ça, regardez. Alors peut-être qu'on freine beaucoup. Mais le virage est très propre et l'accélération est très très propre aussi. Et en plus, on prend pas de risque. Ah, la victoire aujourd'hui, elle est pour nous. Hein. La victoire, elle est facile pour nous. Pourtant, j'ai pas changé la difficulté. Hein. Attention à ça. Ah, on parle trop vite. On parle trop vite. Et forcément, ça va revenir derrière. Hein. Quoique, ça revient pas. Il y a eu un accident, peut-être. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va se promener. Sont pas du tout à la hauteur aujourd'hui, hein. On va se promener aujourd'hui. Et ouais, regardez le virage, on peut le faire presque en accélérant. Celui-là, on relâche et on accélère. Et on n'est pas trop mal, hein. Franchement, on n'est pas trop mal là. Allez, hein. L'essence, on gère. On passe à combien? Ah ouais, ça, ah oui, 1,41 là. Hein. 1,41 alors que sous la pluie, on était à 1,46. Grosse différence. Allez, on va essayer de faire un petit record de tour. Hein, parce que là, on a déjà 4 secondes d'avance. C'est assez fou, hein. Ah purée, on prend encore trop large là. Hein. On prend vraiment trop large. Il va falloir que je freine un peu plus sur ce virage là. C'est un petit peu dommage. Et celui-là, on le maîtrise beaucoup mieux que pendant les qualifs. C'est un petit peu mieux, j'ai l'impression quand même. Hein. Ça, on le maîtrise un peu. Faut freiner un petit peu. Et on accélère. Ça, il n'y a même pas besoin de freiner. On lâche l'accélération. On accélère à la fin. Là, ça glisse un peu. Et ça, on maîtrise bien ça. Hein. Ici, on freine un peu. On rentre dans la courbe. Ce que je faisais pas en qualif, ça, tu vous voyez. Et là, on gagne un paquet de temps. Hein. On freine bien, on tourne, on raccélère. Et là, ça va faire un bon temps, je pense. Hein. Une 39, ah ouais, une 40, hein. Une 40. Là, on sort trop loin, là. Allez, hein. On est au quatrième tour. On va essayer de récupérer un peu d'essence là parce que. Hop, on va faire un tour tranquille. Ouais, très beau virage là. Hein. Et pour l'instant, j'ai même pas pris de joker. Hein. On maîtrise. Aujourd'hui, on est en toute maîtrise là. Là, on prend pas de risque, on fait des beaux virages.
C'est pareil, c'est très très beau ça, hein. Aujourd'hui, on est au-dessus du lot, j'ai l'impression. Ah, c'est un petit peu large là cette fois-ci, mais bon. C'est pas bien grave. Ah, petite chute. Petite chute. Allez, hein. Allez, là, on va essayer de faire un tour chrono. Allez, hein. On va essayer de maîtriser ça. On sort un peu trop, mais c'est pas grave. Ah, track limite. C'est dommage. Ça va pas être comptabilisé, je pense. Ah, deux fois, deux chutes là. Attention, je pense qu'on va pas essayer de jouer le record du tour. On va se calmer. Après, on a quand même pas mal d'avance. Ah, c'est ouf, hein, 11 secondes d'avance, mais je comprends pas trop là. Je comprends pas ce qui s'est passé niveau difficulté, on est toujours pareil. Mais on est au-dessus du lot là. Hein. Vraiment un circuit fait pour nous. Voilà, ils ont gardé les réglages de la pluie. Allez, là, on se concentre jusqu'à la fin. Là, je suis complètement déconcentré. Hein. Je suis complètement déconcentré. Allez, on va faire ça cool jusqu'à la fin. Ah, il restera un dernier tour après. Ouais, j'aimerais bien passer sous la barre des 1,40 quand même. Peut-être essayer dans le dernier tour. Allez, pourquoi pas essayer dans le dernier tour de passer sous la barre des. Ah, quoique j'ai pas assez d'essence. J'ai pas assez d'essence, mais bon, on va essayer en Power 2. Après, les pneus sont pas mal usés aussi. Mais pourquoi pas? Ouais, là, je prends trop de risques. Je prends trop de risques. Petite sortie, mais bon, ça va pas coûter grand-chose, je pense. Je prends. Alors là, ouais, je prends beaucoup de jokers, mais je prends beaucoup de risques pour essayer de faire un record du tour. Mais ouais, c'est. Ouais, on va pas y arriver. Hein. On va pas y arriver, je pense. C'est pas bien grave. Il n'y aura pas de record de tour. Il n'y aura pas les sous les 1,40. On va gérer jusqu'à la fin. Allez, pourquoi pas, là il reste une 37, une 38, 39, et non. Et non, mais c'est la victoire. C'est la victoire en Autriche pour nous. Victoire facile aujourd'hui.
largement devant Nicolò Antonelli, Romano Fenati qui fait 3ème, Dark Binder qui promet au classement général de la saison, finit seulement 4ème, donc ça c'est des bons points pour nous. On va aller voir tout de suite hein, le classement. On est premier avec 170 points, c'est gay. On est premier au classement général. Au même nombre de points de Dari Binder, Nicolò Antonelli qui est 3ème. Sergio Garcia qui monte à la 5ème place. Ça c'est bon pour l'équipe, je pense. Au niveau de la team, c'est nous avec 230 points d'avance. Les Red Bull KTM Tech qui sont devant les Red Bull KTM Ajo. Eh, on a presque 22 points, ouais, 22 points d'avance. 29 points d'avance sur Petronas. Et ouais, franchement, ça a été quand même assez facile ce Grand Prix d'Autriche. On ajoute une victoire avec nous. Pour nous. Ça, c'est bon. Pas mal de points. On va pouvoir. Ouais, le week-end qui s'est quand même très très bien passé. Et là, là forcément, je pense que j'ai reçu des... Non, aucune proposition de contrat. Mais par contre, en moto 2, hein, en moto 2, il commence à nous vouloir. Création de nouvelle équipe aussi. Avec les Oakley. Mais ouais, pourquoi pas, hein, mais... Moi je vais aller chez. On va rester chez KTM, hein, je pense. Hein. Candidature disponible, remplacer l'agent. Alors, qu'est-ce qui nous vaut là? Alors, attends, voir. $3,000. Salaire mensuel. Ok. 20, alors, plus 14. Plus 16 là. Ok. Et plus 16, c'est pas mal, hein. Plus 16 en recherche. Je vais prendre lui. Hein. Je vais prendre Natsuo Okada. On va signer. Voilà, ça c'est fait. Plus 3, moins 4, plus moins 21. Enfin ouais. Et lui, lui on rejette. On rejette. Hop. Et voilà, on est pas mal. Hein. On est pas mal là. Hein. Moteur une semaine. Cadre cette semaine. On est pas là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Petite course, bah quand même facile, j'ai trouvé. Assez simple, hein, le Grand Prix d'Autriche avec très très peu de virages, donc du coup fait pour nous. On a été chercher la victoire, on est premier au classement général. On est premier aussi au classement d'écurie. Et on se trouvera du coup la prochaine fois. Allez, ciao.